Ready. En larguant la bombe, Atlas espérait mettre fin à la guerre. À la place, ça a déclenché un cirque comme on n'en avait jamais vu. Ils ont envoyé 3 sections pour attraper leurs bestioles. 2 sont revenus dans des sacs. Des pertes acceptables, selon Atlas. Ensuite, on l'a amené ici. Pour étude. Ça s'appelle le retour sur investissement. C'est que personne n'a pris la peine de nous le dire. Quoi? Y a pas de 6e sous-sol? La direction a ses petits secrets. Oh non! Bordel, c'est pas vrai, c'est une blague. Harlan, appelle la sécurité. Non. Tout le monde! Ceci est une évacuation code 3. Rappelez-vous les exercices, restez groupés et essayez... Nom d'un chien! Pas d'avertissement. Pas de renfort. En approche d'un mode d'atterrissage... Plus personne. Sauf nous. Putain, je hais Atlas Corporation. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Nazoc. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare en mode zombie, en exclu, on va dire ça comme ça, parce que je suis sur Xbox 360 et les serveurs Xbox 360 ne marchent pas, donc je suis tout simplement en mode hors ligne. Et on va être parti pour une la découverte. J'ai pas encore lancé, je viens de voir la cinématique comme vous, pour ceux qui n'ont pas le jeu et le pack. Et franchement, ça donne vraiment envie. Donc, sans plus attendre, on va lancer la partie en mode local. Donc, je vais jouer tout seul. Allez, on est parti. Ah, franchement, ça donne vraiment envie. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai mis comment pouvoir jouer en mode solo si vous voyez cette vidéo et que c'est toujours pas possible sur Xbox 360. Je suis en train d'upload en ce moment même la vidéo. Donc voilà, on va juste option par défaut. Ah, les couteaux normaux quoi, comme... ça fait... Ouais, franchement, ça va faire plaisir de retrouver un petit zombie là. Donc ça a l'air d'être à peu près le même principe... Que sur les anciens, est-ce que là c'est une fenêtre? Non, donc les fenêtres, là c'est pas une fenêtre. On a une âme, une K. Bon, on va attendre, on va voir comment ça se passe. Donc c'est vraiment une découverte, hein. J'ai pas regardé de vidéo sur internet non plus. Ceux qui jouaient sur des autres consoles. Bon, de toute façon, je pense que ouais, hein, faut aller là. Donc là pour l'instant, j'ai pas d'exo. Ah bah voilà, c'est quoi? L'exo médecin. Donc j'entends des bruits. Donc bon, on va l'acheter. Ça doit être un atout. C'est peut-être réanimation instantanée. Bon, on va attendre de se faire quelques points. Donc là, ça va être 2 coups de couteau sûrement. Je trouve que on les touche de loin. Hein. Hop. Ça doit être un petit x2 peut-être. Hop, on va ouvrir quand même, on sait jamais. Ouais, donc ça en fait c'est 1 x 2. Je pense, multiplicateur. Hop, voilà. Donc, zone. Contamination. Franchement, je sais pas ce que ça fait. Ah, ouais, donc en fait, on a un petit temps dans la manche qui recommence. On entend la musique.
pense que j'ai fait ça, mais ça servait à rien. Il me faudrait une arme. Ah, déjà pour améliorer. Ouh, j'ai eu de la chance. Là par contre, en zombie, il me faut un peu plus de 106 en ligne. On va aller chercher l'MK que j'ai vu. Et puis on va aller prendre ce qui vient de tomber du ciel. Ah, franchement, ça fait plaisir. Ah non, ouais, c'est un... Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi je disais l'MK. Donc, excusez-moi les petits aléas du live pour la coupure audio. Là, j'ai eu chaud, franchement. Je pense qu'on a plus de vie que dans les anciens. Et au passage, on va peut-être prendre ceci. Et là, je dois aller... Je ne sais pas du tout. Ah, ok, il y a le manche des chiens, en fait, là, je pense. Le drone qui fait un boulot. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est... On va améliorer l'arme. Oh, ça va vite. Par contre, là, franchement, je sais pas où aller. Donc, je vais devoir trouver ça. Ah oui. Donc ça doit être un mort à stand. Ouais, un crédit suffisant. Hop, une tourelle. Donc on a des colis qui tombent assez régulièrement là, parce que je mange 6, j'ai déjà eu 2 colis. Ah mais merde, je bombarde, mais il y a mort à ce moment. Donc excusez-moi pour la coupure. Je mettrai un petit message, hein, sinon il y en a qui vont croire que j'avais plus de micro, que je parle plus le reste de la game. C'est un peu con. Ah bah ici aussi en fait. J'aurais dû regarder un peu plus parce que ici... Ah c'est ici, il y a une MK14. Donc j'avais pas rêvé, il y avait bien une MK14. C'est pas grave. Donc en fait c'est comme dans un peu sur Black Ops ou quoi, sur World at War. Dans la première map où on se trouve, on a un... donc il doit avoir un générateur quelque part. Comme j'ai activé dans le premier... Par contre l'arme en fait elle a amélioré mais elle fait pas de... Elle tire des balles normales en fait. Là, ça... Hop là. Bon, si vous voyez cette vidéo aussi et que vous disposez du truc, enfin
du pack de map et que vous allez jouer en zombie et que vous n'êtes pas à 4 complets ou quoi, vous êtes 2 ou même tout seul, n'hésitez pas à me le dire, ça ne dérange pas de jouer avec du... Ah ouais, il n'y a pas d'exosquelette. Ça ne dérange pas de jouer avec du monde. Hein. Au contraire, en zombie, c'est plus marrant à plusieurs. Pour essayer de trouver des choses, je sais pas s'il y a un secret ou quoi que ce soit. On va profiter. Ah, j'espère ouais, qu'ils vont redire aussi des petites conneries comme... dans une triarche, c'était pas mal. Donc, ici, j'avais vu un truc, donc c'était là. Dysfonctionnement de l'imprimante 3D. Donc ça, je pense que ça doit être en rapport avec peut-être un... Ça c'est... Ouais, ok, d'accord. Ah, attendez, j'ai juste vu, c'était un atout, on va le prendre. Ah, bah c'est... Je pense que c'est l'exosquelette. Ok, d'accord, il me faut l'exo, donc je sais pas. On va aller voir en haut, on sait jamais s'il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, donc ici y a rien d'intéressant. On va aller chercher l'atout. L'atout. Le colis. Ouh, ça commence déjà à être plus tendu. Hein. Ah, c'est cool. Ça tient normal. Eh, ça, ça tombe au bon moment. Je sais pas s'il y a du masto, mais je voudrais bien s'il existe. Camouflage. Ah, donc ça, ça, je ne sais pas. Ouais, par contre, j'ai pas le temps de rien, là. Je voudrais un peu tout visiter, tout le bordel, mais j'ai pas vraiment le temps, en fait. Ça, bah non, on peut pas. Je sais pas si je vais encore durer longtemps, hein. Heureusement que j'avais ça. On va direct aller rechercher. Oh putain, je suis pas dans la merde. Franchement, je suis dans la merde. Ouf, 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 ouf. C'est assez tendu. Tu as combien de minutes? Tu as 10 minutes de vidéo. Au pire, ce que je peux faire, c'est je vais upload celle-ci. Et je vais essayer de chercher tout seul. Ouais, 10 minutes de vidéo, c'est parce que je vais être assez long le plot aussi, c'est ça le problème. 10 minutes, je pense que je vais à peu près prendre une heure et ça veut dire que je vais jouer une heure. Surtout si le mode en ligne revient. Bon, on va essayer, mais... Ah merde. Bref, bon. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.